Good morgen, allez, Eden Letus, aujourd'hui, le Nishmat Avam Chayin, Robert Manfortune, Mazal, Yedida Bat Esther et Rachel Bat Mathilde. Si vous souhaitez, vous aussi, déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous, c'est une Masechet Tmura, Perikhe, Mishnah Vav. Areizo, Tachat Khatat, Vetachat Ola, Lo Amar Klum, Tachat Khatat Zo, Vetachat Ola Zo, Tachat Khatat, Vetachat Ola, Sheshlim, Betoch Abayit, Ayalo, Dvarav Kayamim. Vim Amar Al Behemat Mea, ועל בעלת מום, הרי אלו עולה, לא אמר כלום. הרי אלו לעולה, ימאחרו ויביא בדמיהם עולה. On traduit directement la Mishnah, qui est vraiment très simple. הרי זו תחת חטאת ותחת עולה. Deux cas de figure. Un homme, il avait... On va prendre un cas même extrême. Il avait un devoir d'apporter un korban khatat ou d'apporter un korban ola. Il a même désigné un animal qu'il allait apporter en khatat ou en ola. Après, il a voulu faire la tmoura, le substituer, en apportant un animal, nouveau donc, et en disant que celui-ci, je l'apporte à la place de la Ola. Mais il n'a pas dit à la place de cette bête. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai un devoir d'apporter une Ola. J'ai peut-être désigné quelque chose, mais je désigne celle-ci à la place. Mais je n'ai pas dit à la place de l'autre. Ouais? Vous avez compris? Alors la Mishnah m'enseigne, dans ce cas-là, lo amar klum, il n'a rien dit, il n'a pas transgressé l'interdit de Tmoura. L'interdit de Tmoura, ce n'est pas d'apporter un nouveau korban à la place d'un autre korban que je devais apporter, mais c'est de substituer le korban, c'est-à-dire ça doit être comme le pasuk qu'il a explicité. Il a dit lo yachlefenu velo yamiroto, behema ba behema, l'animal par l'animal, faut que ce soit vraiment faut que ce soit vraiment précis, lui à la place de lui, mais pas lui à la place d'un devoir que j'ai. D'apporter un corban, même si pour ce corban, pour ce devoir, j'ai déjà désigné un autre animal. D'accord? Jusqu'à donc qu'ils nous disent Tachat Khatat Zo à la place de ce Khatat. Tachat Ola Zo à la place de ce, de cette Ola. Ou même, c'est pas la peine que l'animal soit devant lui. Même s'il est aujourd'hui devant un animal dans sa ferme, et qui dit Tachat Khatat Vetachat Ola Sheshli Betoch Habayit. Cet animal, il sera, je vais l'apporter en korban khatat à la place du korban que j'ai chez moi. Alors là, dans ce cas-là, Yalo, si Bemet, il avait réellement un animal chez lui, à la maison, même s'il n'est pas devant lui, alors là, Dvarav Kayamin, ses paroles seront retenues, c'est-à-dire qu'il aura fait la Tmoura, il aura transgressé l'interdit de Tmoura, et il aura donc fixé une Kdusha sur le nouvel animal, d'accord? Principe très simple. Il faut donc l'interdit de Tmoura de substituer l'animal. C'est pas de substituer l'animal à la place d'un devoir que j'ai, mais c'est l'animal à la place d'un autre animal déjà désigné. Donc il faut l'avoir réellement et le substituer. Ok, en disant Tachat Zo, à la place de lui ou à la place de celui que j'ai à la maison. Puisqu'on parle maintenant sur les manières de s'exprimer lorsqu'on va sanctifier un animal, donc du coup la Mishnah entre dans un autre sujet. Im Amar al Behemat Mea. S'il avait un animal qui était impur, un chien, un âne, un animal qui n'est pas propre à la consommation, ou encore même Valbalatmoum, ou encore sur un animal qui avait un défaut. Il a dit quoi? Are Elu Ola. Il les a désignés, ces animaux-là, qui ont un défaut, ou qui est impropre à monter en corban. Il a dit Are Elu Ola. Je le désigne, lui, il sera un corban Ola. Loamar Kloum. Il n'aura rien dit. Par contre, s'il a dit Are Elu Le Ola. Il a dit, je désigne cet animal qui sera pour apporter de lui une Ola. Regardez, vous entendez la phrase différente? Au lieu de désigner lui qu'il sera lui Ola, il a désigné l'animal que par lui il va porter un Ola. Donc par sa valeur. Alors là, cette fois-ci, Imacheru, il devra les vendre, le chien ou l'âne, ou l'animal impur, ou l'animal qui avait un défaut. Imacheru, il les vendra. Ve'avib d'mehen Ola, il apportera à leur place un korban Ola, parce que réellement, cette fois-ci, il a sanctifié quelque chose, il a sanctifié leur valeur pour apporter à partir d'eux un korban Ola. Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, c'est là.